area. I know I can do better there. CFA.fr avec le test aujourd'hui de la Phoenix Racing Suzuka, qui est un kit de conversion pour F-104 généralement, ou alors qui est maintenant vendu en kit complet avec des options aluminium qui sont assez sympas. Ici on va parler juste des kits de conversion qu'on a pu tester. On va aller voir donc c'est un kit plutôt orienté F-104 comme on voit puisqu'on est sur une largeur de 190 mm. Avec la plupart du temps, on va utiliser soit des pièces de Tamiya F-104, soit des pièces compatibles. On va regarder un petit peu sous la carrosserie comment se compose le kit. Donc, comme je vous l'avais indiqué dans le déballage, c'est essentiellement un kit carbone. Donc, on trouvera donc le châssis, le train avant inférieur, cette pièce là pour le carrossage. On trouvera aussi la platine supérieure, ainsi que le pod supérieur et inférieur. Donc il faudra rajouter pour compléter le kit, bien sûr la carrosserie, le train avant, c'est-à-dire les fusées et les triangles, le support de servo, les piélettes, tout ce qui est visserie forcément, puisque le kit de conversion est livré sans visserie dans le kit de base, hein, je ne parle pas du kit complet. L'amortisseur, bien sûr l'électronique, le moteur, le diff, l'axe et le support de roue gauche, et bien sûr les ronds qui vont avec. Alors en configuration, là on est en configuration standard, c'est-à-dire qu'un moteur 21.5 et des pneus rail par exemple, des pneus gomme. On aura pu faire pas mal d'essais, notamment sur moquette et sur piste, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc ce qui est intéressant à noter sur ce châssis, donc il utilise encore, enfin à l'époque où j'ai pu le tester, il utilise une technologie de rotule WRC qui était connue dans la F1. Faut savoir que maintenant ce kit a évolué et il utilise des rotules Schumacher qui sont présentes notamment sur les modèles Touring MI5. Et non plus ces rotules là, qui avaient un petit défaut en fait, c'était de se détacher puisque les rotules sont couvertes par cette partie orange en plastique qui est en deux cellules, qui avait l'habitude en fait de sauter. Alors il faut aller mettre un petit, par exemple, un peu de colle autour pour ne plus avoir le problème. Mais bon, maintenant qu'ils ont corrigé le problème avec le kit Schumacher, il n'y a vraiment plus de soucis. Alors le kit Schumacher en fait c'est des sphères qui sont collés à la cyanolite directement sur le carbone. Mais bon, le fonctionnement c'est le même. Ce qui est intéressant sur ce châssis, c'est links latéraux en carbone qui, vous le voyez, en fait, n'utilisent pas du tout de ressort. Alors on pourra, le châssis permet de mettre des ressorts. On pourra soit utiliser ça comme un kit à ressort, soit suivant en fait le nombre d'ancrages. On a 3 ancrages possibles. Et on pourra mettre 1, 2, 3 vis, ou alors déplacer la vis de serrage suivant qu'on veut plus ou moins de flex à l'arrière du châssis. On voit ici par exemple le link se déformer. En fait c'est le carbone qui fera l'amortissement latéral. Donc là il est en mode le plus souple possible pour rouler en extérieur. Donc c'est les derniers tests que j'ai fait. Mais par exemple sur moquette, on viendra mettre deux vis. Alors typiquement ce qui est préconisé par Phoenix Racing, c'est de mettre une vis et d'entourer le kit, le link, je vais y arriver, le link de ring, O-ring qu'ils appellent en fait, qui sont les petits trombelles en caoutchouc. Donc on en mettra, qui permettront en fait de plus ou moins serrer fortement le link, de donner donc ce flex. En ce qui concerne l'amortisseur latéral, on mettra ici un amortisseur latéral à graisse commun
chez, par exemple sur la F104 V2, qui marche très très bien. Hein, on pourra aussi mettre un amortisseur à piston aussi. Moi je préfère la graisse, c'est plus facile à entretenir, mais bon après c'est une question de goût. On va un petit peu détailler aussi le train avant. Alors ce qui est assez sympa en fait, c'est que le train avant est réglable en chasse dynamique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter cette partie-là, plus ou moins, pour donner un petit peu de dynamique sur le triangle avant. Et aussi sur le triangle arrière. En fait, on pourra jouer avec des rotules pour donner une hauteur comme on veut. Suivant qu'on va, par exemple, avec les pneus qui n'ont pas beaucoup de hauteur de jante, on se retrouve souvent avec des hauteurs de 6-7 mm en dessous du châssis. Là, on va pouvoir jouer avec les hauteurs en mettant des rondelles, par exemple, en dessous, je ne sais pas si on le voit. En dessous le train avant, on va pouvoir jouer avec la hauteur de châssis et la hauteur des triangles pour donner un petit peu de dynamique. Là, je les ai mis un petit peu penchants pour donner un petit peu de train avant. Mais si on veut le train arrière, par exemple, on pourra faire l'inverse. Donc c'est un châssis qui donne vraiment vraiment pas mal de réglages et donc permet pas mal de setup. C'est assez intéressant pour ça. Donc le train avant ici, on aura choisi des triangles de F104 classique. On aura pu mettre par exemple des triangles Exotec pour avoir un réglage de carrossage. Le carrossage de base là, avec ces triangles là, ça donne 1,5 degré, entre 1,5 et 2 degrés je crois, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est quand même un petit peu de carrossage, donc on pourra jouer un petit peu là-dessus. Le châssis central, lui, donc c'est un châssis central qui a pas énormément de flex, hein. On le voit, c'est quand même assez rigide. Donc, ce qui nous permet d'avoir une petite platine ici, assez légère. Et donc du coup, d'avoir le flex au niveau des lignes, comme je vous l'ai dit. La partie centrale, c'est à peu près tout ce qu'on a dit. Donc là ici, par exemple, j'ai mis un amortisseur Kyosho pour garder la couleur rouge, hein. C'est plutôt sympa. Mais donc c'est un amortisseur classique de DTM. On aura aussi la possibilité, je ne sais pas si on voit bien, de mettre avec l'autre trou ici, de mettre un amortisseur de 12e par exemple, ou un amortisseur de F104, qui sont un petit peu plus longs, qui doivent faire un demi-centimètre de plus en longueur. Je vous conseille aussi, si vous prenez le kit, de ne pas utiliser le pod plastique pour F104 V2 qui est vraiment trop souple. Elle est directement sur l'option alu, ici c'est l'option alu noir, il existe aussi en bleu. Vaut mieux aller quand même sur de l'alu. Le plastique c'est vraiment tout, surtout en fait à ce niveau là, c'est juste une barre en plastique qui n'est pas solide du tout. Donc l'alu, indispensable. Au niveau des diffs, donc comme je vous l'ai dit, on a mis là c'est un diff 3 racines. Un diff compatible F104, donc on aura les hexagones bien sûr des 14 mm F104. Et ça se passe plutôt bien, on arrive donc à une largeur de 190 mm. C'est typiquement ce qu'il faut pour rouler en catégorie stock. On pourra aussi mettre un train rond de 200 mm, ça serait un petit peu dommage de perdre le côté carbone du train inférieur. Mais on pourrait le faire, passer la voiture en 200 mm, elle irait très bien. Donc au niveau des roulages qu'on a pu faire en intérieur, donc on a fait un essai sur moquette avec des pneus, comment je vais dire, Pitch Mitsu, 572-571, le combo classique que j'utilise depuis quelques temps maintenant. Et donc avec un petit renfort, je vous l'ai dit, au niveau des links, la voiture est plutôt stable, il n'y a pas trop de soucis. Si je voulais vous parler aussi de la position des lignes, parce qu'on le voit, là j'ai mis un petit renfort, là. On voit en fait on a deux positions possibles sur le positionnement des lignes pour les mettre plus en V, qui donnera encore un petit peu plus de stabilité au train arrière. C'est pas négligeable, notamment quand on roule sur des pistes qu'on peut grip, ça peut être un atout intéressant. Donc les essais intérieurs, une bonne voiture qui répond vraiment bien au réglage. C'est ça qui est intéressant.
En extérieur, on va mettre donc sur les essais qu'on a fait avec les rides, donc qui n'ont pas beaucoup de train avant, généralement. Là, ça se passe plutôt bien en fait. On récupère quand même pas mal de train avant. Je m'attendais à pire. Mais par contre, au niveau de l'arrière, comme vous le voyez, en fait, il faut beaucoup de flex. Hein. Le ride à l'arrière, il faut le tenir un petit peu, sinon la voiture elle est un petit peu délicate à conduire. Donc, il faut préférer un petit peu de sous-virage. Et puis garder quand même un peu de pied par l'arrière pour toucher la voiture. C'est plus facile à conduire, après c'est mieux évidemment. Voilà ce qu'on pouvait faire sur cette première review. Donc c'est un bon châssis. Alors les prix, grosso modo, je crois que le kit carbone, donc le kit pour lequel j'ai opté, le kit carbone doit se trouver aux alentours de 150 €. Et donc il faut un kit complet. Je crois que c'est du Saxo Racing qu'ils utilisent pour les pièces aluminium. Donc avec je crois le kit tout alu doit tourner aux alentours de 220 ou 240 €, quelque chose comme ça. Donc il faut aller voir sur le site de Phoenix Racing, il y a toutes les commandes, ils sont super disponibles. C'est ça qui est vraiment bien en fait chez eux, c'est que la communauté est vraiment hyper active, le châssis évolue en permanence et il y a vraiment du répondant. Aussi bien au niveau de la direction, mais même des utilisateurs qui nous donnent souvent leur setup. Par exemple sur Facebook, ils ont mis un petit forum qui permet de discuter un petit peu des réglages qu'on peut faire sur la voiture. Donc c'est vraiment sympa, c'est un châssis qui marche très bien. Et une alternative plutôt agréable, parce qu'on l'a vu par exemple à l'ETS, ils ont des bons résultats avec ce châssis. Donc n'hésitez pas, hein, c'est très réactif, c'est vraiment pas mal fait. Et c'est une petite écurie qui marche vraiment bien, qui est vraiment sympathique, italienne, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais vraiment disponible. Voilà, donc je voulais les remercier pour ce prêt pour ce châssis, ce kit de conversion. Et puis bien sûr, on se dit rendez-vous pour un prochain essai sur RCF. Voilà, à bientôt. Salut.